C'est maintenant le temps de passer à notre question piège. Et pour ce faire, on poursuit notre tournée des clubs de golf du Québec. On s'attarde cette fois à un incontournable, le Château Bromont, du côté des cantons de l'Est. Oui, un des parcours les plus prisés de la région de par sa qualité, bien sûr, mais aussi pour sa petite touche historique, parce qu'on le sait, il y a des personnages importants de notre histoire qui ont mis les pieds, mais pas nécessairement pour y jouer au golf. Voici la question quiz de la semaine. Lequel de ces couples célèbres a déjà foulé les allées du parcours du golf Château-Bromont? Est-ce A, Barack Obama et Michelle Obama? B, le prince Philippe et la reine Élisabeth II? Ou C, John Fitzgerald et Jackie Kennedy? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé lequel de ces couples célèbres a déjà foulé les allées du parcours du golf Château-Bromont. Eh bien, la réponse est B. Le prince Philippe et la reine Élisabeth II qui ont fait un passage au club de golf Château-Bromont et c'était aux Jeux olympiques de Montréal. En 1976, puisque les installations équestres de Bromont ont été importantes pour la présentation des Jeux olympiques, il faut savoir que la princesse Anne a également porté les couleurs de l'Angleterre à cette occasion, que le prince Philippe était quand même très impliqué au niveau de la Fédération internationale des sports équestres. Ils ont donc, le couple royal, obtenu la permission de chevaucher sur les allées du Château Bromont à cette occasion.